ma grande. Tu la sens, cette bonne odeur? C'est celle des grasses matinées, des brunchs et du farniente. Ouais, je ressens plutôt l'infâme odeur du blues, de la solitude et de la boule au ventre. Ben, c'est gay. C'est quoi, cette déprime? Ben, je vais pas voir Tristan pendant 2 mois. Ça me réjouit pas vraiment, tu vois. Et voilà, c'est reparti. Ça devient grave, ton truc, là. Le pire, c'est que tu ne sais même pas si Tristan éprouve quoi que ce soit pour toi. Eh, tiens, salut, Tristan. Salut, on se voit plus tard, je dois filer, j'ai un cours de guitare. À plus. Bon, t'as raison, je crois que c'est clair, il m'ignore complètement. N'importe quoi, si ça se trouve, il est juste à 2 doigts de craquer pour toi. Tu n'as pas remarqué des signes précurseurs de l'amour? Des quoi? Ben, des attitudes, des gestes qui laisseraient penser qu'il t'aime bien. Ah, comme s'il m'embrassait, par exemple? Non, moins clair que ça. Alors, comme s'il me filait son dessert à la cantine? Non, plus clair. Comme quoi, alors? Comme, ben... À vrai dire, je ne suis pas experte. Tu n'as qu'à interroger des gens qui ont eu des histoires d'amour. 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10. Le fessier maintenant, redressez-vous, extension, flexion, et on se fait une petite série de 30. Et 1 et 2 et 3 et 4. J'ai failli attendre. Salut maman. Alors, c'est pas une super idée cette webcam, hein? Faut voir à l'usage. Évidemment, ça n'a pas le charme de tes visites surprises. Maman! C'est le bazar ici, comme d'habitude. Oh, oh! Qu'est-ce que tu disais? Rien que grâce à ce système, plus besoin de prendre le train. Un clic et tu es chez nous. Parlons-en de chez toi. Je suis sûre que c'est le bazar, comme d'habitude. Et je constate que tu traînes encore en pyjama. Mais... Tu vas me faire le plaisir de t'habiller, de ranger et de te mettre au travail. Je reviens dans 1 heure pour tout vérifier. Bon, et comment ça s'éteint, ce fourbi, tirant sur le fil? Salut. Salut. Je me demande si c'était une si bonne idée que ça d'équiper mamie d'un ordinateur et d'une webcam. Ben, ça va l'occuper. Dis, tu t'y connais, toi, en signe précurseur de l'amour? Ta mère, Lucien et Monsieur Verdier? Bonjour les experts, c'est tout ce que t'as trouvé comme témoignage? J'avais que ça sous la main. Enfin bon, voici selon eux la liste des signes annonciateurs de l'amour. Vas-y, je t'écoute. Alors, d'abord ma mère. Le signe du même moment, même endroit. Quand elle était jeune, elle jouait au flipper dans le café charcuterie de Mortebouze. Et bizarrement, certains garçons se débrouillaient toujours pour y être en même temps qu'elle. Et un jour, l'un d'entre eux s'est lancé et a essayé de l'embrasser. Pas mal. Au suivant. Lucien m'a parlé du signe de la salle obscure. Un jour, il a emmené une certaine Nadia au cinéma et il lui a offert des pop-corns. Et ben, elle a pas arrêté de le regarder et en sortant de la salle, elle se souvenait d'aucune scène du film. Plutôt intéressant. Ensuite? Ben, Monsieur Verdier, il m'a dit que c'était quand Boubou lui avait fait pipi sur les pieds qu'il avait compris que c'était le début d'une grande histoire d'amour. Mais ce signe-là, on va peut-être l'oublier, hein? Oui. Je crois que ça vaut mieux. Du coup, il te reste le même moment, même endroit et la salle obscure. Ben alors, il y a quelqu'un? Coucou! Ah, quand même! Qu'est-ce que tu fabriques fagoté comme ça? Le chauffage est en panne. Le chauffage? Au mois de juin? Tu ne changeras donc jamais, ma pauvre fille. Toujours à jeter l'argent par les fenêtres. Bon, écoute, maman, j'adore papoter avec toi, mais je dois travailler maintenant. Tu peux bien faire une pause pour ta vieille mère, non? Figure-toi que chez le cordonnier, j'ai rencontré la mère Trochu. Tu te souviens de sa fille, Gisèle? Non. Eh bien, figure-toi que cette idiote de Gisèle a quitté son mari qui a pourtant une bonne place à la mairie pour vivre avec un maître chien qui en plus ne dresse que des caniches. Triste monde. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Attention, le voilà. C'est parti pour le même moment, même endroit. Alors comme ça, tu vas acheter des CD? Oui, des CD. Salut. Salut.
Tu vas au magasin de musique, donc? Oui, au magasin de musique, là où travaille Richard, à côté de chez moi, enfin, tout près, quoi. Bon, ben, très bien, alors, au revoir. Salut. Toi et moi, ici, au même moment, si c'est pas un hasard, ça? Non, c'est pas un hasard. Lou, il faut que je t'avoue quelque chose. Oui, Tristan? Y a erreur sur la personne. Moi, c'est Gaëtan. Allez, gamine, tu te pousses. Désolée. Lou, alors? J'ai attendu 2 heures, pas de Tristan. Il n'a peut-être pas osé venir. Tu ne dois pas te laisser abattre. Il te reste le coup du cinéma. Laisse agir la magie du 7e art. Je suis sûre qu'à la fin du film, Tristan ne se souviendra d'aucune séquence. Ouais, on verra. Je suis vraiment contente que t'aies pu venir. Moi aussi, Lou. Alors, il joue Alban ou La confusion des sentiments. Mmh. Paraît que c'est bien. J'avais super envie de le voir. Ça te dit? Oui. Et sinon, il y a quoi? Ben, un truc qui s'appelle Les mercenaires. Il m'a dit, quand je vous vois au milieu de vos hortensias, je vous trouve jolie comme une taupe. J'en étais toute ébobie. J'ai pas laissé passer cet affront. Espèce de vieux débris, lui ai-je dit. J'ai peut-être la vue qui baisse, mais moi, je ne porte pas de moumoute. Oh, tu m'écoutes? Ah, oui, je t'écoute. Oh, mais maman, c'est pas l'heure de ton feuilleton? La clinique de la forêt vierge? Tu parles, c'est une véritable niaiserie. Figure-toi que dans le dernier épisode, cette grosse bourde de Barbara se rend compte qu'elle a accidentellement greffé le cerveau d'un serial killer à Miss Pinstock, la vieille octogénaire. Si c'est pas malheureux! Bon, ne bouge pas pour que j'aille au petit coin. Quel cauchemar! Salut, ça va? Non. J'ai acheté une webcam à ma mère et elle me dérange toutes les 5 minutes. Je suis au bout du rouleau. Y'a quelqu'un? Attends, tu sais quoi? Je vais lui parler. Je sais trouver les mots justes avec les vieilles. Enfin, je veux dire, avec les mères. Bonjour, madame. Ah! Heidi! Oh. Comment allez-vous, chère madame? C'est moi, Richard, le voisin de votre fille. Ah oui, je ne vous avais pas remis. Normalement, c'est à votre infâme odeur de mouton mort que je vous reconnais. Désolé, mais là, c'est au-dessus de mes forces. Allez, Richard, reviens. Ne te fâche pas, quoi. Un problème? Non, c'est rien, Lucien, je... Lucien, attends. Les ordinateurs, tout ça, c'est ton truc, non? Non, franchement, c'est énorme. T'as vu la scène où les mercenaires reviennent dans le camp des méchants, sous la pluie, et celle où ils font exploser l'hélico, et le coup des champs de mine? Tu te souviens de toutes les scènes? Ben oui, pas toi? Non. C'est pas grave. Allez, salut. Je suis désolée pour tout à l'heure. J'ai pensé que ce serait sympa que tu reviennes prendre un café. Ma mère ne nous embêtera plus, promis. Trouver un prétendant, le petit Clément Fifrelin. C'est devenu quelqu'un de très bien. Il a une situation, lui. Il est docteur. C'est lui qui s'occupe de mes varices. Ben oui, maman, je sais. Mais non, ma fille préfère parader en redingote au mois de juin avec des pique-niques qui sentent la pique. Ben oui, maman, je sais. C'est un monde, ça. Moi qui me suis saignée aux 4 veines pour t'élever. Voilà comment tu me remercies, en fricotant avec des saltimbanques mal peignées. Ben oui, maman, je sais. Comment t'as fait ça? Mamie discute avec une vidéo de moi enregistrée tout à l'heure. Lucien a modifié le programme pour lui repasser en boucle. Ah, oh, c'est génial. Bon, on se le fait, ce petit café? Ok. Bon. Eh ben voilà, je dois me faire une raison. Il n'y a pas eu de signe et il n'y en aura jamais. Je vais pouvoir déprimer sereinement tout l'été. Ma pauvre loulou. Salut. Faut que je te laisse. Un miracle. Je te rappellerai pour te raconter. Ta mère m'a dit que je te trouverais là. Ah, ben oui.
Mon père a un super mal de tête, il supporte plus le moindre bruit. Alors, comme je dois répéter ma guitare, je me suis dit que... peut-être ici... Tu as bien fait. J'aimerais bien jouer comme toi. C'est pas dur, tu sais. Si tu veux, je te montre les accords de base. Tu crois que j'y arriverai? Bien sûr. Tiens, essaie. Quelqu'un a dit, il y a toujours 1000 soleils à l'envers des nuages. Je commençais à en douter sérieusement. Mais d'un seul coup, tout s'est éclairé grâce à un signe, un tout petit signe. Finalement, les vacances commencent plutôt bien, non? Salut Richard, maman est sous la douche. C'est toi que je viens voir. Tu sais que ce soir, les icebergs de Fleckefjord jouent contre les caribous de Novokouznesk en finale de la Coupe du Monde de curling? Ben, c'est gentil d'avoir pensé à moi, mais en fait, j'ai déjà autre chose et... Rassure-toi, tu n'es pas invité. Hein? J'y vais avec mon neveu de Superchevel. Pépo? Oui, il arrive par le train de 12h30, mais je dois bosser au magasin. Je me disais que... Que je pouvais aller le chercher et m'occuper de lui cet après-midi? Oui. Ça marche. Super sympa, Lou, merci. Y a pas de quoi. Tu te souviens de Pépo, le neveu de Richard? Il est de passage en ville. Je vais faire guide touristique cet après-midi. Tu viens avec moi? Impossible. Tristan m'a invité à faire une partie de jeu de rôle. Tristan t'a invité à quoi? À faire un dragon et donjon. Un jeu de rôle à l'ancienne avec des papiers, des dés et tout ça, quoi. Il savait que j'étais fan, alors... T'appelles qui? Tristan. Moi aussi, je veux jouer à votre jeu de rôle, là. Jeu de rôle. Tu sais, ma louloute, si tu ne connais pas les règles, tu risques de t'embêter un peu. Ça va, je suis pas complètement débile. Je peux les apprendre, les règles, et puis tu m'aideras. Bah, ça me serait difficile. Dans le jeu de rôle, c'est le personnage que tu joues qui décide des choses. Ça s'appelle le roleplay. Allô? Salut, c'est moi. Dis, je me demandais si pour le jeu de rôle, si je peux m'incruster. T'es rôliste, toi aussi? Hein? Oui, je connais bien wagon et donjon. Dragon. Ben oui, je sais, c'est une petite blague de rôliste, mort de rire, hein. Bon, écoute, si tu veux que ma mère vienne, moi je viens aussi, c'est un lot, à prendre ou à laisser, c'est comme ça. Dans ces conditions, j'accepte. Ok, super, t'es un amour. Et voilà. Et Pépo? Salut, tu vas bien? Ouais, super, dis, qu'est-ce que tu dirais de passer l'après-midi avec un garçon super sympa? Pépo, je suppose. Salut.
Moi, c'est Mina. Lou a un empêchement, elle ne pourra pas être avec toi cet après-midi. Ah, ok. Bah, elle aurait pu me prévenir tout de même. Me passer un coup de fil pour me dire qu'elle m'envoyait une vague copine. Eh oh, ça va, on se calme. Mais d'abord, je suis THE copine. Nina, c'est ça, hein? Mina avec un M comme dans mufle. Sympa, le comité d'accueil. Un garçon super sympa. Bon, on va commencer par se présenter. Allez, tour de table. Je suis Grim, magicien niveau 11, chaotique neutre, mais sympa quand même. Mi-nain, mi-humain, mes communautés m'ont injustement repoussé, mais j'ai été recueilli par Nartawak, la semi-liche vampire de la presqu'île de Kahar, qui m'a appris tous ses secrets. Ok, Gilles. Eh, c'est quoi ce délire? Il a pété un plomb, Gilles, ou quoi? Non, il est dans son personnage. C'est ça, le roleplay. À toi, Léo. Je suis Olaf Darkström, paladin niveau 15, loyal, bon, évidemment, humain, géant roux au cœur d'or. J'arrive des contrées du Grand Nord et ma hache à double tranchant sert deux causes, la justice et... la justice. Tu l'as dit deux fois? Exact, mais j'ai deux tranchants. Je suis Kernael de Gorfenek, elfe guerrière chaotique, bonne, de niveau 13. Archère aussi belle que redoutable. Mon village a été rasé par les sbires de Stog le Maudit. J'ai une vengeance à accomplir. Oui, à bas Stog le Maudit. Ben, et moi alors? Comme tu n'as pas trop l'habitude, tu seras Griboulette, une gnome voleuse de niveau 2. C'est quoi un gnome? C'est comme un nain, mais plus petit, et puis sans barbe. Les gnomes, c'est vraiment de la vermine. Du calme, Kernael. Je sais que les elfes et les gnomes se détestent, mais pas de racisme. Alors, t'as prévu un truc pour déjeuner? Pizza, ça te va? Super raffiné. C'est ça ou la diète? Griboulette vous a montré le chemin de la citadelle de Zorbinel. Là, vous devez vous emparer du grimoire d'Arnakan pour contrer la malédiction de Stog le Maudit qui a promis la mort et la misère dans les 9 comtés du royaume de Krull. Vous approchez de la citadelle, mais le pont-levis est gardé par 5 gargouilles vampires. Griboulette, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais leur jeter des pierres. Eh, roleplay les gars, on est en donge. Griboulette peut faire ce qu'elle veut. C'est parti. Elle m'attaque là? Ok, je lui lance une pierre. Très bien, vas-y. Lance un D20. 2 plus 3 bonus, ça nous fait 5. C'est quoi ton taco? Mon quoi? Ok, 20. Ça nous fait CA 8. Raté. Et 6, 11, plus 3 de magie, 14, plus 2 de force, 16, plus 3 de spécialisation, 19 dans les dents de la gargouille. Tu l'as eu. Bien joué, Kernael. Je viens encore de prouver la supériorité des elfes sur les gnomes ridicules. Alors, vous avez décidé? Une salade toscane sans lardons ni anchois, mais avec des capres et de la pancetta, et la sauce dans un bol à part. Hein? Ben, moi aussi. C'est exactement ce que je voulais prendre. C'est marrant, ça, hein? La voie est libre. La porte de la citadelle est devant vous. Qu'est-ce que vous faites? Montre-nous tes talents, Griboulette. Ouvre-nous cette porte et surtout, n'oublie pas de détecter les alarmes. Vas-y, jette 2 des 10. 43, bon, ok. Tu ne détectes rien. Ah, tant mieux. Bon, ben, j'ouvre alors. J'avais détecté aucune alarme! Bah oui, mais t'as raté! Quel boulet, ce gnome! Hé! Bon, maintenant vous entendez des pas, des squelettes rapiques. J'ai une idée complètement dingue. Si on se parlait, c'est triste les repas silencieux. Ok, lance un sujet de conversation.
Alors moi, déjà, j'aime le ski, l'odeur de la sciure, les images au ralenti dans les documentaires animaliers et les bonbons au goût très chimique. Et toi ? La danse contemporaine, l'odeur des vieux livres, la coiffure du mec de téléachat et le mot polystyrène. J'oubliais, j'adore les westerns aussi. Ah ? Quel genre de western ? Bon, vous avez bien bossé. Griboulette, tu peux venir, il n'y a plus d'ennemis. Vous avancez et vous arrivez au pied du donjon maléfique. Mais là, pas de porte. Que faites-vous ? On n'a qu'à faire grimper la gnome. Comme ça, arrivée en haut, elle nous lancera une corde. Enfin, et si elle y arrive ? Nia, nia, nia. Je vais te montrer. C'est bon, Griboulette. Tu peux commencer à grimper. Oula ! T'as failli t'écraser. Lance à nouveau le dé, attention, fais pas un trop gros chiffre. 95, ah, pas de bol, tu tombes dans le vide. Oh non ! Non seulement elle est gourde, mais en plus elle est maladroite. Génial, Kernaël. Faut bien l'aider, cette pauvre Griboulette, toute seule, elle n'arrive à rien. C'est ce qu'on va voir, on peut jouer là ? Je grimpe, j'arrive en haut du donjon et je déroule une corde. On aurait mieux fait de prendre un orque avec nous. Les gnomes, ils ont deux mains gauches. Bah, c'est-à-dire qu'elle est seulement niveau 2. Tu m'étonnes, elle n'a même pas d'arme digne de son. Et ben justement, j'ai une dague. Et tu peux pas faire ça. Je vais me gêner. Hey, roleplay les gars, ok? C'est donge, je peux faire ce que je veux. La rivière rouge, c'est bien, mais Rio Bravo, c'est mieux. Je préfère largement la prisonnière du désert. Tu m'étonnes, c'est un pur chef-d'œuvre, comme la charge héroïque. Je l'ai vu 16 fois. Ah, c'est Richard, il m'attend chez lui, je dois y aller. Faudrait pas louper le début du match, tu vois. Ah, on se reverra peut-être. Peut-être, oui. Allez, ciao, Mina. Ciao. Ah, l'amore. Je n'en reviens toujours pas. T'as tué nos persos. Vous l'avez pas volé. Longtemps. Le temps d'oublier cet horrible après-midi. Tu m'as humiliée devant l'amour de ma vie. Ce n'est pas moi, c'est mon personnage. Les elfes détestent les gnomes. Je n'y peux rien si tu n'es pas faite pour les jeux de rôle. Allez, quoi? C'est quoi le taco? Bah, ça indique les chances que tu as de toucher un adversaire pendant un combat. C'est calculé en fonction de ta classe, de ton niveau et de tes caractéristiques. Plus ton taco est bas, meilleures seront tes chances de toucher l'adversaire. Tu comprends? Non. Oh, oh, oh non, mon cher Piotr. Les skips ont sans doute demandé aux arbitres de mesurer la position des pierres. Effectivement, Knut. Quel Knut. Salut. Oula, au son de ta voix, je sens que ton après-midi avec Tristan a été un fiasco. Exact. Mais comment t'as fait pour deviner? J'ai juste dit salut. C'est mon super pouvoir de super copine. Et toi, tu dis rien? C'est bizarre. Oh, t'as craqué pour Pépo, c'est ça? Tu vois, on dirait que toi aussi tu l'as, ce super pouvoir. Allez, raconte, raconte.
Et voilà. Mon chef-d'œuvre. Salut. Waouh. C'est quoi? Attends, ne me dis rien. C'est pour Gino, un hommage à sa pizza aux anchois. Pas du tout. Ça ne t'évoque pas quelque chose d'un peu plus lyrique? Voyons voir. Une maladie de peau, de la viande hachée. Cette toile est censée évoquer la fougue, la passion, tous ces sentiments que j'éprouve pour Tristan. Je pensais lui offrir pour son anniversaire cet après-midi. Il fait une fête chez Gino. Ah, mais oui. Maintenant que tu le dis, la fougue, la passion, tout ça. Ben oui, c'est évident quand on le sait. C'est complètement raté, hein, honnêtement. Ben, disons que c'est pas hyper clair comme déclaration d'amour. Tu devrais peut-être être un peu plus directe. Essayer les mots, les phrases, bref, lui parler. Quand il est devant moi, les mots ne viennent pas, les phrases s'en mêlent. Il est tellement... Essaie de mettre à profit la petite fête qu'il organise chez Gino. Tu danses un peu avec lui, vous vous rapprochez, tu l'entraînes à l'écart, et là, tu lui fais ta déclaration. Ah ouais, c'est si facile que ça. Et toi, avec Richard, t'en es où exactement? Disons que j'ai pas encore trouvé le moment. Et puis... Ok, t'as raison, j'en suis nulle part, comme toi. Et si on se motivait toutes les deux? Genre, si tu le fais, je le fais. Comme une sorte de pacte? Exactement. Top là. Notre destin est en marche. Bene, entrez, ne restez pas à la porte. Ciao, Gino. Hey, Mina, je vais jamais y arriver. Respire, reste zen. Tu t'avances vers lui, tu lui offres son cadeau et tu enchaînes avec ta déclaration. Allez, courage. Ça va? Tiens, bon anniversaire. Sympa, merci. C'est un CD, j'espère qu'il te plaira. Et puis, j'aimerais bien te dire un truc après. J'espère que c'est pas le dernier Vénus Déa. On vient de me l'offrir. Ah, ok. Et sinon, t'avais un truc à me dire? Non, rien, ça peut attendre. Richard, c'est la première fois que je dis ce genre de choses à quelqu'un. Et c'est pas facile. Voilà, tu comptes beaucoup pour moi. Enfin, tu as toujours compté dès le début. Je me suis sentie proche de toi. Très proche. Comme si on s'était toujours connus. Quand tu es là, je me sens chez moi. Enfin, chez nous, quoi. Ce que j'essaie de te dire, c'est que... Dis donc, je te fais une déclaration d'amour et toi, tu te grattes. Bon, allez, je crois que je suis prête. Fais un pacte avec ta mère, c'est aujourd'hui que tu dois tout dire à Tristan. Et toi, le voilà. Ça va, vous vous amusez bien? Oui, génial. Bon, mais je vais remplir mon verre. Tu voulais pas me parler d'un truc? Tu sais, moi aussi j'ai quelque chose à te dire. Hein? Quoi? Ah bon? Oui, mais vas-y, à toi l'honneur. Comment dire, allez. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Tristan, joyeux anniversaire. Et ça va, elle était toute pâle. Du miel, una goutte de fleurs d'oranger, du jus d'orange et la touche segreta alla Gino. Crois-moi, Caralou, ça va te remettre en forme en un rien de temps. Alors? Encore. Tiens, serre-toi, je dois retrouver mon bocal d'olive. Quelqu'un me l'a dérobé. Oh, Dio mio. M'énerve. Ok, Richard est rentré chez lui. C'est bon, j'y vais. Salut, tu vas bien? Entre. Ça va? Je voulais te dire que... Tu vas faire du camping? Oui, je vais animer une colonie de vacances pendant 2 mois. Comme tous les étés. Je te l'ai pas dit? Ben si, sans doute. Mais je me souvenais plus que tu partais aujourd'hui. Si. Bon ben, je te laisse alors. Bonnes vacances. Attends, tu n'étais pas venu pour me dire quelque chose?
Tout ça, c'est la faute de ma mère. Elle m'a poussée à faire ce pacte stupide. À la base, j'avais un plan imparable pour que Tristan devine mes sentiments sans que j'aie rien à lui exprimer directement. Mais oui. Dijo mio, ne me dis pas qu'elle a tout bu. Si. Et forcément, il a fallu qu'elle vienne fourrer son nez là-dedans, m'obligeant à tout avouer à Tristan, alors qu'elle n'est même pas fichue de parler à Richard. Il y a du café pour Arabica dedans. Adesso, elle est toute énervée. Fini la rigolade. Je vais tout lui balancer, moi. Et pas plus tard que tout de suite. Hey, Tristan. Tu peux plus te défiler maintenant. C'est l'heure H du jour J. Mille olives, ladron, voleur. Quoi? Répète, j'entends rien. Tout va me les payer. Viens ici. Je disais qu'il fallait que je te dise un truc important. Jack, Jack, je n'abandonnerai jamais, Jack. Je te le promets. Je ne te dérange pas trop? Bof, non. Jack! Jack! Tu regardes Titanic à 4h de l'après-midi? Oh là là, raconte-moi tout, qu'est-ce qui ne va pas? Rien, j'avais décidé de tout dire à Richard sur mon amour et tout ça. Mais cet idiot part animer une colonie pendant tout l'été. J'ai plus qu'à l'attendre comme une idiote en tricotant. Tu ne sais pas tricoter. Je sais, je suis nulle. Tu veux un conseil? Pourquoi faire? D'après toi? Bon, écoute, tu vas te passer la tête sous l'eau et foncer lui dire que tu l'aimes avant qu'il ne craque pour une monitrice de colo. Enfin, c'est ce que je ferais si j'étais à ta place. Allez, ciao! T'en revoilà? Tu... Je t'accompagne à la gare? Avec plaisir. Allez, c'est pas la fin du monde, ça aurait pu être pire. Ouais, c'est vrai, j'aurais pu lui vomir dessus devant tout le monde. Et voilà, on est parti. Je voulais te dire que... Hey! Ben alors, ma louloute, et le pacte? C'est raté, brisé comme mon cœur. Ciao. Lui arrive? Des problèmes d'ado. Écoute, Richard, je voulais te dire... Pardon, vas-y, je me tais. Non, excuse-moi, toi d'abord. Ben voilà, je... Dernier appel. Le train à destination de Roussignol-sur-Arbe va partir. Oui, ça va, on a compris. Allez, au revoir. Bon voyage. Au revoir. Des sentiments au docteur Helmut. C'est pas Gretchen. Et si mon amour n'était pas réciproque? Quel crétin, ce docteur Helmut! Depuis le temps qu'Ursula se pâme devant lui! Non, mais il est aveugle ou quoi? Fais de l'humour, c'est bon signe. J'avais peur que t'aies décidé de finir vieille fille avec ta mère. Vieille fille? C'est trop l'angoisse. Faut que j'y réagisse. Merci, ma grande. Je m'habille, je traverse la rue et je dis à Tristan que je craque totalement pour lui. Je te rappelle. Ah.
savais que je te trouverais là. Tu as vu ce temps? L'appartement de Tristan est vide. Il a déménagé, sans laisser de mots, ni rien. C'est l'été. Ouais. Cher journal, ça y est, c'est la fin de l'année. L'heure du bilan. Tristan vient de disparaître de ma vie, comme ça, pouf. Et je me rends compte que j'ai passé une année à monter des plans pas possibles pour le rencontrer et arriver à lui parler de mes sentiments. Tout ça pour rien. Enfin bref, malgré tout, j'ai appris des tas de trucs cette année. Les règles du curling, ce que l'on obtenait en mélangeant un chat gris avec de la teinture rose, que la musique n'adoucissait pas forcément les mœurs, que les chenilles processionnaires n'étaient pas aussi stupides qu'elles en avaient l'air, les règles du croquet et un tas d'autres trucs avec un tas d'autres gens formidables. En fin de compte, je me suis plutôt bien amusée. Il me semble que j'ai un peu grandi aussi. Allez, c'est l'été, la vie est belle. Profitons-en. Que les méchants, Batman, t'as l'impression qu'il est là pour faire joli. Ça a l'air de te passionner ce que je raconte. Si, 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 c'est pas ça. Il y a un truc bizarre là-bas, on dirait. Et le voilà. Do. Königs is rigged down throne F-mat. Ah, la chorégraphie. La chorégraphie. La chorégraphie. Tu pourrais nous expliquer le truc, là, s'il te plaît? Mon statut social est passé de totalement transparent à totalement bouffon. Je m'en vais, adieu. Mais, hé, hey, Gilles, attends! Grâce à son vibrato mélancolique, Mitsuzé Kayabushi nous livre une critique de la phénoménologie comme aucun autre saxophoniste avant lui n'a su le faire. Il n'y a vraiment que les classeurs du jazz pour nous pondre un papier aussi intelligent, tu ne trouves pas? Ben, si, bien sûr. C'est très, comment dire, profond. Non, c'est vrai, t'as raison, il mérite pas ça. Même si, tu le sais, il me fait un peu peur, Gilles. Bon, ok, il collectionne les posters d'astrophysiciens et les larves d'insectes. Mais c'est pas une raison pour le laisser se faire lyncher par tout le monde. Bonjour quand même, hein. Désolée, mademoiselle est en pleine urgence humanitaire. Tout ça parce que quelqu'un a mis une vidéo bien craignose d'un garçon du collège sur Internet. Oui, du coup, tout le monde se fiche de lui. Je dois faire quelque chose. Bien. On peut la voir, cette vidéo? Ben oui, si tu veux, mais c'est un... Enfin, tu vas voir. Hé, hey, mais c'est du Sildave. Richard, viens voir ça. C'est énorme. Oui, oh, tu sais, moi, les trucs débiles sur Internet... C'est ça que t'appelles une urgence humanitaire? Oh, c'est pas bien méchant. Mais tu te rends pas compte? Gilles veut changer de collège tellement il a honte. La misère. Oui, enfin, personne ne l'a forcé à se faire filmer non plus, hein? J'ai pas raison? Aucun avis sur la question. Et puis, j'ai autre chose à faire, là. Au revoir. Ah, c'est Gilles. Enfin. Alors, qu'est-ce que vous vouliez me dire? Il faut pas flipper, tu sais, ils vont se lasser et ils y penseront bientôt plus. Hé, hey, regardez, c'est le mec bizarre qui danse sur le net. Oh.
Oui, ou tu sais, moi, les trucs débiles sur Internet. Oui, enfin, personne ne l'a forcé à se faire filmer non plus, hein. J'ai pas raison. Aucun avis sur la question. Et puis, j'ai autre chose à faire, là. Au revoir. Non, est-ce que par hasard... Bon, premier truc, dédramatiser. Voir le côté cool des choses. Ben oui, après tout, t'es devenue une star en quelques jours. C'est pas donné à tout le monde, hein. Ce n'était pas le but recherché, je te signale. Mon truc, c'est plus la recherche spatiale que le faux business. N'empêche que tu l'as faite, cette vidéo. Peut-être qu'au fond de toi, sommeille un petit Justin Timberlake qui ne demande qu'à s'éclater. C'est cette chanson aussi. Elle me rend fou. Mais c'était supposé rester un truc intime. Tu aimerais, toi, qu'on déballe en public des trucs que tu ne voudrais montrer à personne. Je t'aime, Tristan. Je suis dingue de toi. Pour te voir, je t'observe avec des jumelles. Je me cache dans des poubelles. Je collectionne tes chaussettes sales. T'as raison. L'horreur. Bon, il faut prendre le mal à la racine. Effacer le film. C'est ton cousin qui l'a mis en ligne, non? Alors dis-lui de le supprimer. Elle a raison. Ils se marrent tous parce qu'ils se passent les images en boucle. Plus de films, plus de vannes. Retour à Super Chevelle. La troisième épreuve d'Interbourg opposera la star locale de Val-des-Nazes, Jean-Pierre, au représentant non moins émérite de Super Chevelle, Richard. Stop, départ. Bonjour, Madame Chion. Vous vous moquez de moi? Ça m'apprendra à vous monter vos colis. C'est pas vous, Madame Chion. C'est ce film qui me... Un film? Je peux le regarder? Hein? Vous allez voir, c'est tordant. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il ne faut pas 15 ans pour effacer une vidéo. Gilles, on vient de l'appeler. Ton cousin doit faire une demande à l'administrateur du site. Oh, bonne nouvelle, ça y est, c'est fait. On va quand même vérifier. T'as ton portable? Bah oui. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'y crois pas. Il a été customisé? J'ai été quoi? Ça veut dire que des internautes ont repris ta vidéo et l'ont bidouillée. Ils ont rajouté un décor, des trucs et des machins. Résultat, ça va continuer à se balader sur le net. C'est pas de collège qu'il faut que je change. C'est de pays. De planète, carrément. Internet, c'est mondial. C'est malheureusement impossible. La planète habitable la plus proche de la Terre se trouve à 2 millions d'années-lumière. Alors, à moins d'arriver à déformer l'espace-temps... Oh. J'ai peut-être un plan plus simple. Hein? C'est une vidéo qui donne la frite. Oh. Ça a l'air d'être drôle, dites donc. Désapilant, il faut que vous voyez ça. Ok, tout le truc consiste à réussir à désamorcer toi-même les moqueries, à faire croire que tout ça n'était qu'une vaste blague depuis le début, tu vois, que c'était du second degré. Comment veux-tu que je fasse croire ça? Écoute, on se fait un deuxième film dans le même genre et cette fois, c'est toi qui le mets en ligne. C'est ça ton idée de génie? Tu veux multiplier ma honte par deux? Mais cette fois, ce sera différent. Tu le feras en connaissance de cause et Mina et moi, on dansera avec toi sur la vidéo. Pardon? C'est quoi ce délire? T'as craqué ou quoi? Je ne veux pas être sur cette vidéo. Il danse comme une tasse. Fais-moi confiance. J'espère que tu sais ce que tu fais parce que sinon, tu seras responsable de notre mort sociale à tous les trois. Prêt? Bon, je ne veux pas vous chasser, mais il est tard. Je crois que ce serait mieux de ne rien dire. Rien dire? Richard! À propos de quoi? Oh, de rien. Bon, eh bien, je vous laisse. J'ai des saucisses sur le feu. On peut dire que vous avez un sacré coup de fourchette. Oh. Richard,
je vais t'expliquer. Je suis tombée là-dessus par hasard. Madame Chiourme est venue et puis les autres ont suivi. Bah, y a pas de quoi casser trois pattes à un canard, hein. C'est ce que tu crois. Tu ne peux pas imaginer le traumatisme qu'a toujours représenté pour moi cette vidéo. Oh, allez, ça va, elle est marrante. Marrante? Bah quoi? Elle est pas marrante, cette vidéo? Oh là là, pourvu que ça marche. J'ai amené ça au cas où. Arrêtez d'angoisser, vous me faites confiance, oui ou non? Et voilà, comme au retour, Splash comme au d'air. Bienvenue dans votre super fan club. Les collants à paillettes, ça déchire. Franchement, j'en ai vu des trucs terribles sur le net, mais là, vous remportez la palme d'or du ringard. Ouais, y a pas photo. Comme au retour, Splash comme au d'air. Comme au retour, Splash comme au d'air. Ne me dites pas que vous avez un autre film avec Monsieur Richard déguisé en saucisse. Le voilà. Je ne veux plus entendre parler de saucisse, ok? Tu voulais que je te rende tes livres, les voici. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour que tu viennes. J'ai un truc à te montrer. S'il te plaît, pour me faire pardonner. Et celui-là, comment vous le trouverez? Vous le faites exprès ou quoi? Et t'es sûr que c'est pas jouable, ton plan B, le truc avec l'espace-temps? J'y travaille. Ah, je la retiens, Lou, avec ses idées géniales. Comment ça, on doit quitter la ville? Regarde ça. Mais c'est sans cesse! Et je suis pas la seule à le dire. Regarde les commentaires. Ça vient des quatre coins du monde. Hmm? La vidéo la plus sympa de la semaine? J'adore cette danse. Enfin, un peu d'originalité. Grâce à votre vidéo, j'ai repris goût à la vie. Ces danseurs sont géniaux. C'est quand même hallucinant. Hier, Gilles était le plus ringard des ringards et aujourd'hui, c'est une star. Ouais, ça fait quand même flipper que ton destin dépende de trois clics sur Internet. Merci, salut. C'est pas pour moi, c'est pour ma petite sœur. Au fait, elle aimerait savoir, comment elle s'appelle cette danse? La ville tonique. Allez les filles, tout le monde en place.
Aujourd'hui, Tristan m'a invité à la piscine. Mais j'ai un gros problème. Je nage, comment dire, pas très très bien. En fait, je nage comme un fer à repasser. Ou comme une enclume, si vous préférez. Bref, j'ai peur d'être totalement ridicule. Du coup, j'hésite à y aller. Bon, évidemment, ça, c'était avant le coup de jarnac de maman. S'il te plaît, dis oui. Si j'ai bien compris, tu veux que je m'occupe d'Aurélie toute la journée? Elle s'appelle Amélie. Oui, enfin, ta copine lourdingue qui te suivait partout à la fac. Celle que tu surnommais relou-garou. Oui. La nana ringarde, timide, complexée, pas drôle et pire cuisinière que toi? Oui, elle est de passage en ville. J'ai pas pu lui dire non. J'aimerais bien rester avec elle, mais j'ai rendez-vous chez mon éditeur. Tu comprends? C'est vraiment important. Allez, ma louloute, quoi? Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Hein? Mais c'est du chantage, ça! Un mois de ménage complet, avec litière du chat à changer, cuvette à récurer et calcaire de la baignoire à gratter. C'est du vol, mais bon, d'accord. Tu parles? J'aurais dû demander plus, oui. Je vais me coltiner Amélie toute la journée au lieu d'aller à la piscine avec l'amour de ma vie. Hé hey. Salut. Salut. J'imagine que tu es Lou. La dernière fois que je t'ai vue, tu étais haute comme ça. Tu es une grande fille maintenant. C'est à cause de ce truc-là, là, la croissance? Tu as l'humour de ta mère. Au fait, elle n'est pas là? Ben non, elle est chez son éditeur. Je vois, sacré Gretzel. Hein? Gretzel? C'était son surnom à la fac. Moi, on m'appelait Relou-Garou. Ouais, je sais. C'est plutôt original. Je n'étais pas très rigolote. Et maintenant? Maintenant, j'ai un peu faim. Si on mangeait quelque chose, histoire de faire connaissance. Le frigo est carrément vide. On va à la pizzeria? Pas question, non. Si tu le permets, je vais nous préparer un petit frichti. Tada! Et voilà! Bon appétit! Alors? C'est délicieux! C'est juste surprenant. Il manque une touche de paprika. C'est une recette que j'ai apprise au Mexique. Vous êtes allée au Mexique? Tu peux me tutoyer. J'y ai vécu 2 ans, oui. J'étais reporter là-bas. Dis, après déjeuner, ça te dirait d'aller faire du shopping? Je n'ai plus rien à me mettre. Ok, si tu veux. Mais je connais pas de magasin qui vendent des vêtements. Oui, ringard, c'est ça? J'ai pas dit ça. Je te fais confiance pour le magasin, je m'adapterai. Allô? Coucou, c'est moi. Tout va bien? Désolée, je reviens tout de suite. Je survivrai. Amélie a préparé le déjeuner. Ma pauvre louloute, c'était pas trop infâme? Ben non, au contraire, elle fait plutôt bien la cuisine. Mieux que toi en tout cas. Ah, oui, et là on va aller chez SD et CC pour s'acheter des fringues. Ça se passe pas si mal alors? Bah en fait non, on s'entend même très bien. Et toi, dis-moi, ton rendez-vous, qu'est-ce que ça donne? Bah je survivrai, à plus. T'es prête? Go! Alors? Bah comment dire, en fait ça ne te va pas du tout. Toi, en revanche, tout te va. Ouais. Mais ce que je préfère, c'est créer ma propre mode. Quand j'ai du temps, je me fabrique des fringues. C'est dingue, ça. Moi, c'est pareil. C'est marrant. Tu corresponds pas du tout à la description qu'a faite ma mère. J'ai changé depuis la fac. Ta mère aussi a dû changer, non? Je sais pas comment elle était à la fac, mais je crois pas qu'elle ait beaucoup changé. Ne me dis pas qu'elle est toujours aussi fan de jeux vidéo. Bah, plus que jamais. Les jeux ont évolué, mais pas elle.
maintenant, qu'est-ce que tu as envie de faire après ce petit shopping? En fait, je devais aller à la piscine, mais... Je crois qu'il vaut mieux que j'y aille pas. Pourquoi? Ben, c'est bête, mais je nage pas très bien. Et j'ai peur que Tristan me trouve un peu godiche. Tristan? C'est ton petit ami? Ben... Ne t'inquiète pas, je vais te donner 2 ou 3 tuyaux et ton Tristan, il va carrément craquer. Tu crois? Fais-moi confiance. Mademoiselle, nous allons à la piscine. Auriez-vous des maillots de bain à nous montrer? Vous désirez? Voilà. En fait, je voudrais un renseignement. Les deux clientes qui viennent de partir, eh bien... Qu'est-ce qu'elles ont acheté? Bien, des maillots de bain. Pourquoi? Waouh! Tu plonges super bien! Tout est une question de confiance en soi. Allez, à toi! Je ne vois pas pourquoi tu avais peur. Hein? Tu te débrouilles très bien. Voyons, ne crie pas comme ça, jeune fille. Tu vas effrayer les tardigrades. Ah, c'est vous. Vous m'avez fait peur. Amélie, je te présente l'ancien. C'est un des locataires de notre immeuble. Amélie, une amie de ma mère. Vous, je vous ai vu nager. Où avez-vous appris? Dans la baie d'Along avec les barracudas? Non, en Afrique du Sud, au milieu des requins blancs. Ah, je leur ai parié. Méfiez-vous d'électroïdes, ils sont partout. Ne vous inquiétez pas, j'ai une dent en céramique. Bien joué, camarade. Au milieu des requins blancs, le pire, c'est que c'est vrai. Hé, hey, Lou. Salut, t'as eu mon message? Oui, tu as pu te libérer finalement? Pas vraiment en fait. Allez, viens, on va nager. Waouh! Tu plonges hyper bien! Salut, voisine! Ah, bonjour! Ne craignez rien, votre fille est protégée par une disciple du grand Matoutou! Oui, j'ai cru comprendre. Après la fac, j'ai appris d'autres langues. C'est grâce à ça que j'ai pu intégrer une ONG. C'est à cette époque que tu as écrit ton livre? Non, ça c'était plus tard, quand je vivais au Japon. C'était un essai sur l'origine du théâtre kabuki. Quand je pense que ma mère galère grave pour écrire le sien. Hé eh mmh. Ah, coucou. Hé, hey, ben... Gretzel. Salut Amélie. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je... Attendez, j'arrive. Mon rendez-vous chez mon éditeur est terminé. Voilà. Et vous, c'était sympa? Ah ouais, on revient tout juste de la piscine. Tristan a trouvé que je nageais super bien grâce à Amélie. Ah oui, ça a dû te faire plaisir. Tu m'étonnes. Elle est géniale, Amélie. Tu sais qu'elle danse le flamenco et qu'elle a passé 6 mois dans une lamasserie au Tibet? Sans blague. Et je suis sûre qu'elle a fait au moins 10 fois le tour du monde. Non, 4 fois seulement. Super. Eh bien, moi, je ne parle que le syllabe. J'ai écrit un roman que personne ne lira. Ma vie amoureuse est un fiasco. Et pour couronner le tout, d'après ma mère, j'ai raté une glorieuse carrière de postière à Mortebouze. Et maintenant, vous m'excuserez, mais je vais rentrer dans mon appartement minable pour prendre un bain. Bah, qu'est-ce qui lui prend? Je crois savoir.
Quand je dis qu'Amélie est super, ça veut pas dire que je te trouve pas super. Toi aussi, c'est juste que... Écoute, il y a longtemps que je voulais te dire quelque chose. Quand j'étais à la fac, je n'avais vraiment pas confiance en moi. C'est à cette époque que j'ai rencontré une fille que j'admirais beaucoup. Tellement que je n'arrêtais pas de lui coller au basque. Et ce n'était pas facile pour elle, tu vois, parce qu'elle élevait un enfant tout en faisant des petits boulots et en continuant ses études. Et pourtant, même si elle ne dormait plus pour pouvoir travailler et avoir ses diplômes, tout en s'occupant de son bébé, elle m'a aidée. Cette fille a toujours été un exemple pour moi. Sans elle, je ne serais jamais devenue la femme que je suis maintenant. J'ai toujours voulu la remercier pour m'avoir donné le courage d'affronter la vie. Alors voilà, c'est ce que je fais. Merci, Gretzel. Une petite partie? Tu sais, pour ça, je n'ai pas changé. Je suis toujours aussi nulle. Justement. D'accord, mais juste une partie, hein. Je te reçois 5 sur 5. Je suis en position. Vas-y, je te couvre. Hey, tu te souviens que c'est ce soir la fête des voisins? Non. Super. Du coup, j'ai invité Tristan à passer la soirée avec moi. Alors, je te demande une faveur. Ne fais rien de spécial pour moi aujourd'hui, hein. Rien du tout. Pas de truc bizarre, ni rien. Comment ça? Quel truc bizarre? Ben, tu sais, ces trucs bizarres que tu fais parfois en voulant m'aider. Le genre de truc qui provoque des cafouillages, quoi. Ok? Bon, je vais voir si Gino a besoin d'un coup de main. Bye! Joss, salut. Hey, dis, est-ce que tu trouves que je fais des trucs bizarres? Oui, tout le temps. Mais bon, je ne t'appelle pas pour ça. Je suis obligée d'annuler notre déjeuner. Ah bon? Pourquoi? J'ai un gros problème. Un client vient de me refuser un projet de publicité pour une lessive. Les créatifs ont fait n'importe quoi. Je suis dans la panade totale. Ben zut alors, ma pauvre chérie. C'est l'horreur. Il faut remanier tout le spot avant ce soir. Ma secrétaire est en week-end et j'ai des milliards de choses à faire. Ben si tu veux, je peux te donner un coup de main pour ton film, là. Ben oui, t'es gentille. Mais tu sais, la pub, c'est un métier quand même. Ben oui, je sais, mais bon, je suis plutôt créative comme fille et des pubs, j'en ai vu des milliers. Enfin, si je dis ça, c'est pour t'aider, hein. Ben ok. Après tout, ça ne peut pas être pire. Retrouve-moi à l'agence dans 20 minutes. Salut Gino. Ça va? Non, les Savorani Brothers ont été arrêtés par la polizia pour association de malfaiteurs. Leur avocat vient de m'appeler. Ils annulent les concertos de ce soir. Mamma mia! Ma réputation va être totalement ruinée. Il n'y a plus qu'à me pendre à questa festone. Et si je formais un petit groupe, je veux dire, moi au chant et Tristan à la guitare par exemple? Tu es gentil, mia cara, mais je voulais un orchestre plus majestuoso. Une grappe entière, pas seulement deux petits raisins. Bon, un orchestre, ça se trouve facilement. Tu me fais confiance? Oui. Une petite question. Vous savez jouer d'un instrument de musique?
du triangle. J'en ai joué dans un orchestre zigane. Génial! Vous accepteriez de jouer dans mon orchestre? C'est pour la fête des voisins ce soir. Et on peut savoir qu'il y a dans ton mastringue? Eh ben, Tristan, moi, sans doute Lucien, peut-être l'ancien et sûrement Richard. Un orchestre avec les voisins? Cette bande de ronchons qui se disputent pour un rien. Eh bien, ce sera ça, moi! Je monte un orchestre avec Tristan. Vous accepteriez de vous joindre à nous? Ah, la musique! Communion séculaire avec les esprits ancestraux. Oui, jeune fille, je serai des vôtres. C'est ok. J'amène mon synthé. Ma contrebasse est à ton service. Salut, dis-moi, je suis désolé Lou, j'aurais adoré venir mais là je peux pas, on m'a pris en otage pour aller au mariage de ma tante. Oh non! Pour te sauver le coup, j'ai appelé Dédé, mon prof de guitare, tu vas voir, il est super cool. Bon, ben ok, merci, à plus tard. Salut, Dédé Rock'n'Roller, yeah! Écoutez, c'est gentil d'être venu, mais en fait, je préfère tout annuler. C'est impossible, c'est toi le chef d'orchestre. Tu ne peux pas laisser tomber. Oh, oui, puis en plus, j'ai acheté des piles toutes neuves, alors faut que je les amortisse. Bon alors, qu'est-ce qu'on joue? Bon, ben, je voulais commencer par jeter dans la peau, puis enchaîner avec quand tu me prends dans tes bras, et je comptais finir par c'est flou ce que je t'aime. Voilà. Moi, ça me va. Les esprits vont adorer. Ça peut le faire. Let's rock, baby. Oh non, je me marie dans 2 heures. Faut pas vous en faire, ma petite dame. Avec un stick, tout va rentrer dans l'ordre. Un stick, nouvelle formule? Non, avec un stick, nouvelle formule. Incroyable. Un stick, ça astique. Un stick, ça astique. Alors? C'est, comment dire ça avec tact? Ringard, vieillot, naze. Oui, 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 ça, je sais. Bon, tu as des suggestions, toi qui es si créative? Ben, on pourrait dynamiser le montage en raccourcissant les plans et essayer de trouver un slogan un peu moins débile. Ok, ça m'a l'air sensé. Bon, le client revient à 17h, il faut que ce soit prêt. Ah, voici justement Xavier, notre monteur. Bon, je vous laisse voir tout ça ensemble. Allez, je file, travaillez bien. Attention, 1, 2, 3. Attendez, un nom. Notre formation se doit de posséder un nom digne de ce nom. Très juste. Voyons voir. Je propose les Comancheros. Un titre de western pour un groupe de musique, c'est ridicule. Je sais. Les voisins zinzin. Ah ouais? C'est super rock'n'roll ton truc. Pourquoi pas les joyeux boy scouts tant que t'y es? J'étais boy scout, figurez-vous, et je ne vous permets pas de... Chut! Assez de mauvaises ondes. Je vois le nom de notre groupe. Daft Punk. Sans vouloir vous offenser, il me semble que c'est déjà pris comme nom. Ah bon? Et voilà, c'est le bazar total. Ah ben voilà un nom rock, bazar total. Bon, est-ce que tout le monde est ok pour bazar total? Ah non. Finalement, j'ai décidé de me joindre à vous, mais bazar total, c'est pas très chantant. J'imaginais quelque chose de plus positif, de plus rigolo, comme les voisins zinzins, par exemple. Les grands esprits se rencontrent. En parlant d'esprits, ils n'arrêtent pas de me souffler qu'ils aimaient vraiment bien Daft Punk. On vous a déjà dit non. Moi, je propose les 7 mercenaires. Non, les Ben Mirabel. Et sinon, les Beatles. Dis-moi, Xavier, tu n'aurais pas des images d'archives par hasard? J'ai pas grand-chose. Des plans de marée noire, un incendie à Los Angeles et un vieux film japonais des années 60. Un truc de science-fiction. Rio Bravo. Zombie suicide. Les gentilles marmottes. Tendre bluette. Et Britney Spears. Ça existe, ça aussi, peut-être? Ben oui, hélas pour le rock'n'roll. Le rock'n'roll, mais on s'en fiche, mon pauvre vieux. Ah ouais, ben si on se fiche du rock'n'roll, ici je me taille. Ok, ben si c'est comme ça, moi aussi. Mauvaise sonde, mauvaise sonde. Ah, bonjour l'ambiance. Je t'avais prévenu, cet immeuble est maudit.
ça se passe? Nickel, on tient un bon truc là. Et en plus, on sera dans les temps. J'espère bien. Bon, bah continue. Et n'oublie pas 17h, hein? Xav, tu pourrais monter un peu plus court le plan du rayon laser, s'il te plaît? Alors, Mia Lou, ton orchestre est prêt? Ben, non, je suis désolée, Gino. Mais ne sois pas désolée. Tu as voulu m'aider, c'est ça le plus important. Et puis, je suis bien assez forte pour surmonter cette déception, d'accordo, Lou? D'accordo. Ciao! Ciao, Gino. Pardonnez-moi, j'ai eu une journée démentielle aujourd'hui. Mais vous allez être enchantés par la nouvelle version du film. J'espère. Prêt? Oh, chouette, super, Astic. Merci, super, Astic. Super Astic, disparaissez, bande de tâches! C'est complètement nul! Inefficace, bien trop compliqué pour la ménagère de moins de 50 ans! Hé, restez polis! Je suis une ménagère de moins de 50 ans et je comprends très bien cette pub! Tant mieux pour vous, mais moi je refuse ce film! Et voilà! C'est vraiment sympa cette petite fête, Gino. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas d'orchestre. Du coup, je ne sais pas si je vais rester très longtemps. Hein, Boubou? Je me suis acheté un tambourin. Je ne suis pas faite pour le violon. Et toi, comme tu es musicien, tu vas me mettre au diapason. Ça doit être simple à trouver. Ça doit être simple à trouver. L'accord. Joss, bonne nouvelle. Le client a tellement détesté ton film que du coup, il a changé d'avis sur la première version. Il la trouve géniale. Bah, tant mieux. Voilà, c'est tout. Ah, je voulais te dire aussi, les trucs bizarres que tu fais dont tu me parlais ce matin, eh bien, n'arrête pas d'en faire surtout. Tu es exceptionnel. Ciao. Mais quel truc bizarre à la fin? Allô? Allô? Au premier bémol, tu t'emballes, tu prends des airs de virtuose. Je perds le rythme et les pédales, et continuer à jouer, je n'ose. On essaye de le trouver, on essaye de le trouver. L'accord parfait. Tu me dis t'es pas en cadence, t'es en retard, tu sautes des strophes. Je te tire ma révérence, bien sûr c'est la catastrophe. C'est pas facile de le trouver, c'est pas facile de le trouver. L'accord parfait. Lou, je suis revenue, j'ai pris des cours. Au fond je ne suis pas de celles qui savent taper sur des tambours. Alors je t'offre ma boîte crécelle. Il était là sous mon nez, il était là sous mon nez. Là. Il s'appelle votre groupe. Bazar total.
Bonjour, ma louloute. Excuse-moi. Ce bouquin-là, fabuleux. L'archiponcture de A à Z, qu'est-ce que c'est que ça? L'archiponcture est basée sur l'art ancestral du Feng Shui. C'est une théorie qui établit un parallèle entre les circulations d'énergie dans les maisons et les méridiens du corps humain. Tu veux dire que, par exemple, le salon, c'est la tête, la cuisine, le foie et les toilettes, le... Pas du tout! Ça sert à organiser l'espace pour se sentir bien chez soi. D'après ce livre, c'est même excellent pour l'inspiration. Alors, je me disais que comme ma dernière histoire de Sidéra n'avance pas ces jours-ci, je pourrais en profiter pour faire quelques changements dans l'appartement. N'importe quoi. Enfin bon, si ça peut t'aider. Je vais faire un petit tour. À plus. Voilà. Je sens déjà que l'énergie circule beaucoup mieux. Intolérable. Horrible. Épouvantable. Très très laid. C'est indéniablement moche. Excusez-moi, mais vous parlez de quoi là? De ça. Quoi ça? Mes vêtements? Mais ça fait plaisir. Non, je parle de ça. De votre doigt? Mais non, c'est cette peinture marron qui nous consterne, qui nous désespère, qui nous afflige, qui nous déprime. Venez, on va appeler le propriétaire. Allô? Hein? Charlie? Madame Schurman à l'appareil. Denise, quel bon vent vous amène? Hélas, le vent est de la révolte. Je suis en présence des locataires de l'immeuble qui ont des doléances à vous transmettre. Je suis tout oui. On voulait savoir si, par hasard, il vous serait possible de... faire repeindre l'entrée qui est un peu... défraîchie. On peut se cotiser pour payer les travaux. Non, non, pas question. Les travaux sont à ma charge. C'est la loi. Mais ne pourrions-nous pas imaginer quelque chose de plus beau, de plus original qu'un simple coup de pinceau? Un marron brillant à la place du marron mat? Pour l'originalité, vous passerez. Je pourrais peut-être peindre une fresque? Excellente idée, j'adore les beaux-arts. Quel serait le thème de votre œuvre? Ben, je sais pas, voyons, par exemple, la collision des corps célestes, ou bien, l'amour entre les peuples. L'amour entre les peuples? J'adore. Vous avez carte blanche. Le salon dégage une meilleure énergie avec le canapé à cette place. Tu ne trouves pas? Ben, Ouais, le seul souci, c'est que je ne vois plus la télé. Va falloir corriger ça. Ben oui. Bon, sinon, j'ai une super nouvelle. Le propriétaire de l'immeuble est d'accord pour que je peigne une fresque dans le hall. T'es bloqué. Coucou, j'ai mis le canapé à la place du bureau. Ça sera mieux pour l'inspiration.
J'en doute pas. Tu viens à l'inauguration de ma fresque? Elle est terminée? Oui, bien sûr. Enfin, dès que les énergies circuleront parfaitement dans l'appartement et que j'aurai débloqué la porte. Bon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? On n'a pas que ça à faire, nous. C'est vrai, il y en a qui sont à la retraite. Ça vient, ça vient. Bon sang de bonsoir, ça alors? Nom de Zeus, c'est vraiment très beau. Je confirme, pour un coup d'essai. C'est un coup de maître, on dirait du Fellini, en plus fixe. On peut dire que tu as un sacré coup de pinceau. Ben, merci. Je suis très touchée. Pourtant, j'ai le sentiment confus qu'il manque quelque chose. Pour que ce soit parfaitement parfait. Ah ? Oui, à mon avis, il manque un petit rien pour obtenir une harmonie cosmique totale. Tout à fait d'accord. Il y a comme un petit déséquilibre là, sur la gauche. Il faudrait rajouter un motif. Voyons. Tiens, voilà. Une marmotte. Une marmotte? Quel est le rapport avec l'amour entre les peuples? C'est bien connu. La marmotte, contrairement à l'homme, n'est pas un loup pour la marmotte. Cher ami, j'aime bien votre idée d'animal, mais je verrais plutôt un chien. Un peu comme mon bobo. L'amour que cette espèce porte à l'homme viendrait, comme qui dirait, renforcer l'idée d'amour entre les peuples, non? Et puis, ces silhouettes colorées-là, je ne dis pas, elles sont bien. Mais si elles représentaient des gens connus, on pourrait peut-être mieux s'identifier à un peuple, et du coup, à l'amour. Des gens connus comme qui? Comme Jean-Paul Kramer, par exemple. Le présentateur télé? Oui, il est gentil avec tout le monde, même avec les animaux. Ouais. Moi, je verrais plutôt un acteur comme Bruce Lee. Et si on ajoutait un cercle de protection kabbalistique, il formerait une véritable barrière d'amour pour protéger les hommes contre les êtres venus d'une autre dimension. Je sais pas, vos idées partent un peu dans tous les sens. Peut-être, mais comme la fresque se trouve dans les parties communes, elle doit plaire à tout le monde. Bon, ok, il y a peut-être moyen d'arranger tout ça. On progresse, hein, Jones. On y est presque. Tu sens les bonnes ondes et tout, mais on doit pouvoir faire encore mieux. Et voilà. Ouais, je ne suis pas vraiment convaincue. On s'éloigne un peu de l'amour entre les peuples, il me semble. Oui, là, ça ressemble plutôt au kung-fu entre les peuples, non? C'est à cause de Bruce Lee. Il est quand même connu pour distribuer des mawashigiri. Vous connaissez rien à la philosophie du petit dragon. Ce sont des mawashigiri métaphoriques. Non, ce qui ne va pas, c'est la grosse marmotte ridicule et le Jean-Paul Kramer. Ben quoi? Qu'est-ce qu'il a fait, mon Jean-Paul? Il a pas une tête à prôner l'amour entre les peuples, le Kramer. Ah oui? Mais vous savez ce qu'il vous dit, le Kramer? Allons, 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 s'il vous plaît, un peu de calme. Oh, vous, avec votre affreux boubou, là, c'est pas le moment de la ramener, hein? Ça suffit! Vous avez vu où on en est avec vos suggestions stupides, là? Cette fresque, maintenant, elle ressemble à rien. Alors je vais revenir à mon concept de base. Et ce coup-ci, je veux plus entendre le moindre commentaire. Je me suis bien fait comprendre? Bien, ok. On n'a plus qu'à rentrer chez nous, alors. L'amour entre les peuples, tu parles d'une tyrannie, oui. Une vraie dictature. Et voilà. Parfait. Oh. Ah, oh, Louloute, c'est toi? Ben oui, rendors-toi, je vais dans ma chambre. Mais là, ta chambre, elle est dans la mienne. Vu que la mienne est au salon et que le salon est dans la tienne. Super. Pain au choc ou croissant? Brioche. Ça marche. Charlie?
bien considéré, c'est pas terrible, terrible. En effet, c'est... comment dire ça avec tact? Légèrement à vomir. Exactement. C'est à cause de ce Jean-Paul Kramer, là. Il ressemble à rien. Si, un Picasso. Vous ne comprenez rien au cubisme, vous, ça se voit tout de suite. Y'a qu'à regarder votre boubou, on dirait une poule neurasthénique. Attention, Madame Schurm, la poule neurasthénique pourrait bien finir par vous montrer les dents. Ah oui? J'aimerais bien voir ça. Hé, hey, mais qui a osé m'acculer Bruce Lee? C'est Madame Schurm, elle déteste le figuratif. Je n'ai pas fait exprès, même si c'est vrai que votre Bruce Lee est complètement raté. Vous méritez que je vous macule, votre Kramer. Et attendez, regardez ça. C'est chouette, cette couleur. On dirait les croquettes de mon bobo. C'est apaisant, comme un tronc d'arbre dans une vénérable forêt druidique. Comme le flanc des montagnes en été autour de mon village natal. Le marron profond des anciens films sépia. Comme les bons vieux murs de cet immeuble qu'on aime tellement. J'appelle tout de suite Charlie. Ça y est, j'ai enfin arrangé l'appart comme il faut. Bah, elle est où, cette fameuse fresque? T'inquiète, je vais t'expliquer. Tadam! Certes, l'énergie créative circule peut-être un peu difficilement, mais au moins, on peut entrer dans l'appartement, marcher, aller s'asseoir au bureau pour travailler, et ça, c'est de la bonne archipuncture. Dans la vie, il y a des jours comme ça qui ne servent à rien, non? Si. Eh ben, c'est rigolo, toutes ces vieilles photos. Tiens, c'est qui sur celle-là? Mes copines de fac, Amélie, Nolwenn et Claire. T'as vu? T'es aussi sur la photo. C'est chouette, ces souvenirs. Je viens de me rendre compte que je n'en ai aucune de Richard. C'est dommage. Ben oui, d'autant plus qu'il fait carrément partie de notre vie maintenant, non? Salut. Salut. T'es prête? Oui. Tu m'attends une seconde? Je vais chercher mon sac. D'accord. Je me dépêche, hein. Là, c'est Lou à 6 mois. Elle faisait ses dents. La pauvre. Ça lui provoquait de monstrueuses éruptions de boutons sur les fesses. Regarde-moi cet eczéma. Oh, non. Louloute? Allez, sors de là, quoi. Vous parlez vraiment à cette grosse caisse, là? Quoi? Mais non, d'abord, c'est une malle. Et ensuite, je parle à Lou. Elle se plante toujours là-dedans quand elle a un souci. Ah, bah c'est tout à fait normal. Bon, bah moi, je crois que je vais y aller, là. Attends, vous deviez pas aller vous balader tous les deux ou un truc comme ça? Lou, faut que tu réagisses. Tristan s'en va sans toi. Quoi? Mais il est venu dans la chambre? Bah, oui. Il a compris que j'étais dans la malle? Bah... oui. La honte. Bon, ok, Tristan a vu tes fesses quand tu étais bébé. Et alors? C'est pas grave, c'est même plutôt mignon. L'eczéma, c'est pas mignon. En plus, il a découvert que je suis une dingue qui s'enferme dans une malle au moindre petit souci. Bah, tu sais, à la télé, on en voit tous les jours des gens un peu zinzin. Il peut comprendre. Ouais, t'as raison. Déjà, je pourrais lui expliquer que j'ai plus de boutons. Et pour la malle, je pourrais lui dire que c'est une habitude bizarre, mais que j'essaye de me soigner. Et si tu en profitais pour arrêter vraiment? Arrêter la malle de la honte, carrément?
Ben ouais, je pourrais essayer. Tiens, dis-moi, on dirait pas t'as mal là? Hein? Oh. Mais si! Hé, arrêtez! Il se fait la mal! Oui, ben maintenant va falloir que tu t'en passes d'un seul coup. Non, un type a emporté la malle. Déjà? Ça a pas traîné? Tant mieux. Regarde, j'ai retrouvé mon vieux polar. Comment ça, tant mieux? Tu veux dire que tu l'as volontairement bazardé? Notre malle? Ah oui, après ce qui s'est passé avec Tristan, je me suis dit que c'était le bon moment pour s'en débarrasser. T'es pas d'accord? Non. Mais ça va pas, t'es dingue ou quoi? Je voulais essayer mon flash. Ah zut, raté. C'est normal, toutes les photos de moi sont ratées, ça doit être une malédiction, il y a toujours un truc qui cloche. Je ne crois pas aux malédictions, je crois à la technique, moi, monsieur. Je te parie un resto que je peux réussir une bonne photo de toi. Ouais, une bonne photo ratée. Bon, sois objective. Qu'est-ce qu'elle avait de spécial cette malle à part que tu te cachais dedans? Objectivement, rien et tout à la fois, elle a toujours été là. C'est comme un ami d'enfance qui s'en va. C'est comme si j'avais perdu mon doudou, quoi. Je te comprends. Moi aussi, j'ai perdu mon ami d'enfance. Ah oui? C'était un vieux réveil matin. Je l'aimais bien, il faisait tic-tac, tic-tac, ouais. Ça me rassurait la nuit. C'était bien. Mais un soir, ma mère a décidé de le jeter. Hein? Pourquoi? Parce qu'il retardait. Je suis désolée, ma grande. Tu sais quoi? Ça ne sert à rien de se morfondre. Il faut que tu passes le cap et je suis là pour t'aider. Hein? Allez, on y va? Ça changera quelque chose si je te dis que ça ne changera rien? Ça va être parfait. Allez, un petit sourire. Encore. Mais pourquoi tu te crispes? On dirait que t'as mangé du ciment. C'est comme ça à chaque fois que je vois un appareil photo, c'est plus fort que moi. On va changer de méthode. Tu vas dire oui, Titi. Oui, Titi? Oui, enfin, si ça te plaît pas, essaye avec un autre singe. Babouin. Je te l'avais dit, c'est une malédiction. Ils sont frais, mes poissons empaillés, ils sont frais. Véritable lingot plaqué or. C'est ça, ton idée pour surmonter ma peine? Une brocante? Mais oui, tu vas trouver un nouveau doudou. Moi, par exemple, j'ai remplacé mon réveil matin par Jean-Pascal. Tu l'as trouvé dans une brocante? Ça explique sa drôle d'odeur. Mort de rire. Bref, t'as qu'à choisir un objet dans toutes ces vieilleries et hop, le tour est joué. Une affaire, oui. Mina, ça marche pas comme ça. Essaie, tu n'as rien à perdre. Serre, frôleur, franche à voile, patin, roulette, tout pour vous déplacer sans dépenser un centime d'essence. Profitez-en. Produit de Sibérie, garantie, sans radioactivité. Offrez du bon et du beau, offrez des fleurs en sucre. Regarde, hein? Là, je le reconnais, c'est le chauffeur de la camionnette. Qu'est-ce qui te fait croire que ça va marcher? Si tu ne sais pas à quel moment je prends la photo, tu auras forcément l'air naturel. Détends-toi, fais comme si je n'étais pas là. Oublie l'appareil, laisse-toi aller. Comment veux-tu que je l'oublie? T'arrêtes pas de me tourner autour. J'ai une idée. Tu avances normalement le long de l'allée et moi je vais prendre la photo au moment où tu t'y attendras le moins, ok? Bon sang, pourquoi t'as crié? J'ai pas pu m'en empêcher. J'ai plus de pellicule. On dirait que je viens de gagner un resto, non? Minute, papillon. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Viens avec moi. Je ne l'ai pas volée, t'as mal. Elle était sur mon trottoir, ok? Et vous l'avez ramassée, je vous ai vu. Elle était sur la voie publique. Si tu voulais la garder, il fallait pas l'acheter. Je ne l'ai jamais jetée. Oh, du calme, le problème n'est pas là. Où est-ce qu'elle est, cette malle, maintenant? Je l'ai vendue à un vieux type bizarre. Il était content. Ça faisait 30 ans qu'il cherchait une malle comme ça. Et vous connaissez son nom? Oh, ben non. Désolé. Oh, c'est fichu. Je la reverrai jamais. Si tu veux une malle, je peux t'en proposer une autre et en meilleur état. Mmh.
n'auriez pas la taille au-dessus? Bon, là, il n'y a personne derrière l'objectif, hein? Du coup, tu n'as aucune raison d'être crispé. Mais alors, ça marche pas? C'est malin, t'as tout gâché. Et en plus, pour une fois, j'étais bien. T'as tout fichu en l'air avec ta face d'huître. Merci, sympa. J'ai peut-être une face d'huître, mais toi, tu es aussi photogénique qu'un plat de nouilles. Ça suffit, assez joué. Primo, je ne suis pas top modèle. Et secondo, j'ai autre chose à faire. Alors, ciao. Salut. Salut. Ben alors, les filles, vous en faites une tête? J'ai perdu mon doudou. Un nounours? Non, une malle. Une malle? Ah, ben ça c'est cocasse. L'ancien vient de ramener une chez lui. Il n'y a pas une heure. Il a fait un raffut de tous les diables en la montant. Effectivement, je viens de l'acheter à la brocante. C'est la mienne. J'avais aucune envie de m'en débarrasser. Il faut me la rendre. Bien. Et comme disait mon ami James Lowell à Houston, on a un problème. Les choses sont appelées à évoluer. C'est une des 12 vérités de l'univers et c'était le destin de cette malle depuis 30 ans. Quand vous dites évoluer, vous voulez dire désintégrer? Non, évoluer veut dire renaître sous une forme plus adaptée. Quelle forme? Impossible à prévoir, mais tu me remercieras lorsque les Lémuriens seront repoussés dans les ténèbres extérieures du Yogg-Sothoth. Eh, vous prenez des photos de tous les habitants de l'immeuble? Affirmatif, depuis 1865. L'immeuble n'était pas encore construit? Si, enfin, pas dans notre dimension, bien entendu. Ah bon? Comment tu te sens? Ben, en fait, ça va. C'est bizarre, mais je me sens comme... libérée, quoi. Ben alors, c'est le moment. De quoi? De dire à Tristan que t'as passé le cap, que tu n'as plus besoin de mal, ni rien. Je sais que tu penses que je suis ridicule, mais c'est fini tout ça. Je n'ai plus honte de me cacher, la malle a disparu et c'est pas grave si tu as vu ma photo. De toute façon, maintenant, ça n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est que tu as devant toi une nouvelle loup. Voilà. Super. Tu veux entrer? Au fait, t'as vu? J'ai acheté les Solus de Golden Sun. Hey, c'est qui ce petit garçon tout nu assis sur son pot? Tristan, non mais... Merci. Je voulais m'excuser, j'étais énervé tout à l'heure. Tu n'as pas du tout une face d'huître et je veux bien encore poser pour toi, si t'en as envie. Pas la peine. Regarde. Waouh, je suis super bien là-dessus. Comment t'as... C'est un secret. Au fait, pourquoi tu voulais me prendre en photo? Bah, comme tu vois, j'adore avoir des photos des gens que j'aime. Enfin, que j'aime bien, quoi. Elle est rigolote, celle-là. C'est toi, Lou? Là? Non, je me suis jamais déguisée en kangourou rose. Non, je t'en prie, sors de derrière ce rideau. Allez! Non, plus jamais!
On y va? Bizarre tout ce monde, c'est désert le mardi normalement. Hé, hey, Gino, ben, et notre table? Mamma mia, scusi, venez, je vais vous en trouver une autre. Là, c'est bene, non? Ecco une escalope milanaise et des spaghettis à la carbonara. Mais Gino, on est mardi. Le mardi, on prend toujours deux salades capri, sans croûtons, et une grande pizza volcano avec un supplément poivron que sur une moitié. Ma si, scusi cara mia, je ne sais plus ce que j'ai fait. Ah, Hyacinthe, amore mio. Ah, ben voilà pourquoi c'est le bazar. Il est amoureux, le Gino. Mes chers amis, je vous présente Hyacinthe, ma fiancée. Bonsoir, je suis ravie de rencontrer les amis de mon chum. Enchantée, vous êtes de Québec? Montréal. J'ai toujours rêvé d'y aller. Il paraît que les gens sont très accueillants. Bon, ben moi je vous laisse, hein. J'ai des devoirs à faire et tout. Ciao la compagnie. Et hop! Ben alors, on peut savoir ce qui t'arrive. C'était un peu malpoli ta façon de partir tout à l'heure. Attends un peu, ce serait pas parce que Gino a une copine? Non, aucun rapport. Je suis très contente pour Gino et aussi très contente pour le Québec. C'est génial ce rapprochement culturel. Trop fort. Bon, maintenant tu me laisses? Je vais d'abord te dire un truc. Tu sais, Gino est un super pizzaiolo, mais c'est aussi un être humain. Il a le droit d'être amoureux. Ouais, je sais. Mais tu vois, cette Hyacinthe, là, je la sens pas. Elle a l'air bizarre, non? Je voudrais pas que Gino soit déçu, c'est tout. Tu trouves que j'ai abusé, hein? M'excuser? Ah non, plus quoi encore? Ok, t'as gagné, je vais aller lui demander pardon. Eh oh! Ah. Hey, Gino, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, hey, ciao, cara mia! En l'honneur des Hyacinthe, j'ai décidé de faire quelques piccoles transformations dans les restaurants et d'ajouter des nouvelles spécialités dans les menus, regarde! Pizza à la poutine? Blanquette de caribou? Spaghetti au sirop d'érable? C'est une blague? Ma pas du tout! C'est un concept révolutionnaire! Les mariages entre la cuisine italienne et la gastronomie québécoise! Tiens, je veux que tu sois la première à goûter mes cannelloni du trappeur! Une merveille sublissima! Jamais! Trouve-toi un autre cobaye! Ma... Blanquette de caribou, spaghetti au sirop d'érable? Effectivement, ça a l'air... Immonde! Je refuse de remettre les pieds chez Gino tant qu'il fera de la cuisine québec-italienne. Ne sois pas injuste. Tu es bien placée pour savoir que l'amour, ça fait faire n'importe quoi. En fait, c'est pas Gino qui m'inquiète, c'est Hyacinthe. Imagine qu'elle soit pas du tout amoureuse de Gino et qu'elle veuille lui piquer tous ses sous. Et si c'était une espionne du KGB? Et si... Ouais, je vais te dire, moi. Le vrai problème, c'est de savoir comment on va manger. Parce que comme tu le sais, je n'ai pas encore trouvé un livre de cuisine qui marche. Ok, tu t'occupes de nous trouver de quoi manger et moi, je me charge de tirer cette histoire d'espionne au clair. Salut. Salut. J'ai besoin d'un conseil. Tu sais que Gino a une amoureuse? Bah oui, Hyacinthe, c'est chouette, hein? Non. Pourquoi? Parce que je sens qu'elle est pas vraiment amoureuse de lui et ça m'inquiète. Oui, mais ce n'est qu'une sensation. Il faudra en être vraiment sûr. Et tu te souviens de la première fois que ta mère m'a présenté à Gino? Il m'a fait passer un genre de test. Alors, comme ça, vous êtes l'homme idéal? De qui? De Mia Poupa. Qu'est-ce qu'elle vous trouve? Mais... Désolé, ça va pas coller avec Poupa. Vous êtes trop... farabuto. Super idée, t'as raison. On va faire la même chose à Miss Caribou. Bonjour à tous. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez tapé les mots-clés cuisine et nul sur Internet. Ne vous laissez pas abattre. Il vous reste la solution. Un coach de cuisine personnalisé, moi. Alors n'hésitez pas à m'appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Et n'oubliez pas, qui cuisine un œuf, cuisine un bœuf. Qui cuisine un œuf, cuisine un bœuf. Qui cuisine un œuf, cuisine un bœuf.
Ah, bonjour. Ça alors, quelle coïncidence. Vous allez vers le centre-ville? Oui, je dois m'acheter des lunettes de soleil. Ah, bah ça c'est drôle, moi aussi je vais par là. Dites, je me demandais, qu'est-ce qui vous plaît le plus chez Gino? Ben, avant tout, sa gentillesse. Et vous êtes amoureuse de lui, alors? C'est l'homme de ma vie. J'étais dans la rue, il m'a bousculée et je suis tombée en amour. Hello! Alors comme ça, on cuisine très très mal? Ben oui. Plus pour longtemps. Dites-moi, vous êtes maniaque? Je crois pas, non. Vous êtes jalouse? Non. Et vous êtes fidèle? Bien sûr. Une femme parfaite, quelle galère. Mais pourquoi tu me poses ces questions? Comme ça, pour savoir. Allez, au revoir. Alors, elle va commencer par me faire un petit test simple, histoire que je me rende compte de son niveau. Elle va nous préparer un... je sais pas moi, un petit faux plat. Richard, c'est affreux. Quoi? Hyacinthe n'est pas une femme bien? C'est pire que ça. Elle est géniale. Ah, tant mieux pour Gino alors. C'est ça, ouais. Elle se concentre, elle respire, elle a le poignet souple et zac d'un petit mouvement sec. Victoire! Cette fois, tout est dans la toile. Elle progresse vite. Ma chérie, tiens, tu veux goûter à mon œuf au plat? Alors? Croqui, et ce serait nettement meilleur sans tous ces petits morceaux de coquille qui craquent sous les dents. Gino? Hyacinthe, elle est partie! Hein? Mais pourquoi? Parce qu'une petite ragazza lui a posé des tas de questions indiscrètes et figure-toi que Hyacinthe est persuadée que c'est moi qui t'ai demandé de les lui poser. Non mais ça ne va pas! Qu'est-ce qui t'a pris d'aller embêter cette pauvre fille, toi? C'est que... Gino, je te connais depuis que je suis toute petite et... Enfin, je crois que le fait que tu changes tout d'un coup, ça m'a fait peur. Peur? Oui, je sais que c'est idiot, mais t'as toujours été une sorte de repère pour moi, alors j'ai un peu perdu la tête, je suis désolée. Mialou, ce n'est pas parce que je suis amoureuse de Hyacinthe que je vais moins t'aimer. Mais maintenant, elle est sans doute perdue à tout jamais. Ne t'en fais pas, il n'est peut-être pas trop tard. C'est vrai, je vais la rattraper. Où est-elle partie? Ah, à la gare. Elle m'a dit qu'elle voulait prendre les trains pour Borgnol. J'y vais. Gino ne m'a jamais demandé de vous poser toutes ces questions. C'est moi qui l'ai décidé toute seule. J'ai fait ça parce que j'ai eu peur de le perdre. Ah bon? Mais je... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Gino est malheureux sans vous. Ce serait bien que vous reveniez. Qu'est-ce que vous en dites? Oh non! T'inquiète, on descendra au prochain arrêt et on prendra un train qui nous ramènera à la ville. Bah dis donc, y a pas un chat ce soir. Ma cuisine italo-québécoise n'est plaît à personne. Vous devriez peut-être revenir à la cuisine italienne traditionnelle. Enfin, je dis ça... Mais c'est qui, lui? Tu nous présentes ou quoi? Voici mon coach de cuisine. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, Gino risque de nous avoir comme cliente encore longtemps. Et je confirme. Très longtemps.
honte. Qu'est-ce qui se passe? T'as reçu la facture de mon portable? Non, c'est Aldo. Il a encore fait à côté de sa caisse et je sais pas pourquoi ça me bouleverse. Ben, c'est peut-être parce que tu nettoies des flaques d'urine 3 fois par jour depuis 6 mois. Non, c'est pas ça. Tu devrais trouver un truc pour lui faire comprendre une bonne fois pour toutes qu'il faut faire dans la litière. Ouais, ok, je vais m'y coller. Bon, je te laisse, je suis en retard. Ciao! À côté, pas devant, pas derrière, dedans, ok? Allez! Oui, bien, c'est un bon chat ça! Boulou boulou, tu vas y arriver! Boulou 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 boulou, continue, tu peux le faire! Pas. Si, mais pour toi, j'ai toujours une petite minute. Vas-y, je t'écoute. Ben, j'ai une galère avec mon chat. Toi qui as un chien un peu original, tu pourrais peut-être me donner des conseils. Je connais un comportementaliste, une sorte de psychologue pour animaux. Il fait des miracles. Et tu as ses coordonnées? Évidemment. Bon, et si tu m'expliquais un peu la situation? Il y a quelques semaines, j'ai eu une vision, la vision d'un pantalon. Je me suis levée au milieu de la nuit pour dessiner le patron. Et dès le lendemain matin, je l'ai fabriqué. Il était démentiel, avec des pompons dans le bas et tout. Franchement, sans me vanter, j'étais super contente de moi. Mais quand je suis arrivée au collège... Regarde! Oh, ah, hé Lou, on se déguise? C'est Mardi Gras ou quoi? Ils ont lâché les clowns, on dirait. Complètement grotesque, les pompons. Ça va? Non, j'en ai marre qu'on se moque tout le temps de mon look. J'ai une solution. Ça t'intéresse?
Son idée, c'était de me traîner dans une boutique pour que je m'achète des fringues normales. Comme ça, plus personne ne se moquera de toi. Des fringues normales, moi, t'imagines ? Bah, pour être tout à fait franc, non. Bref, Mina a quand même réussi à m'emmener faire du shopping. Tiens, ça c'est un petit haut normal. Je confirme, je le porte presque tous les jours et personne ne l'a jamais remarqué. Allez, essaie-le. Je sais pas. Hé hey, Lou, tu rêves ? Ton téléphone. Non ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne vas pas le croire. Un comportementaliste va venir examiner Roudoudou. Tu penses qu'il va réussir à résoudre ce problème de... de fuite ? J'espère bien. Je te laisse, le voilà. Bonjour, je suis Jérôme, mais pas de chichi entre nous, vous pouvez m'appeler maître. Bonjour. Alors, où est votre petit Félix Sylvestris Catus ? Votre chat. Ah, Hulk, il fait un somme. Alors ? Votre petit félidé présente un profil prognato-récalcitrant. À tendance urino-anarchique, tout à fait bénin. En langage profane, cela signifie que ce petit gredin fait pipi à côté de sa caisse et ce de manière assidue. Oui, ça je sais. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut trouver une solution, je ne le supporte plus. Eh bien, je vais tenter une dominantothérapie à déduction cognitive pour qu'il lâche ses tendances anarcho-désobéissantes. En langage profane, il faudra compter 75 euros. Ah oui, quand même. Il faut dire que je prends des risques. Comme vous faire uriner dessus, par exemple. Où puis-je me changer, s'il vous plaît? Dans la salle de bain. Ne craignez rien, c'est moi. Hein? Grâce à mon allure de chat dominant, votre Brandon 8 va comprendre que ce n'est pas lui qui décide. Avec moi, il va la respecter, la laitière. Ce jour-là, Mina a dû me montrer, je sais pas moi, au moins une centaine de fringues. Et cette jupe-là, tu ne veux pas l'essayer? C'est notre modèle le plus normal. C'est bien simple, toutes les filles le portent. Écoutez, je sais pas. Bien, prenez votre temps surtout. Excuse-moi. Oui? Je suis Caroline Villeroy, l'assistante de Jean-Pierre. Jean-Pierre? Le Jean-Pierre? Tout à fait. The créateur de mode. L'inventeur du sac à main jetable et du sous-vêtement réversible. Waouh! Dis-moi, trésor, d'où sortit cette merveille de pantalon avec les pompons coordonnés, là? C'est moi qui l'ai fait. Waouh, fabuleusement glam chic. Oh, vous savez, là, c'est juste un prototype. Si vous voulez, je peux vous en montrer un encore plus abouti. Encore plus original. Vraiment, je suis impatiente de voir ça. Voici ma carte. Rendez-vous ici demain à la même heure. Allez, ciao, ciao! Cool, ça prouve que tu as du talent. Attends, c'est pas fini. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je ne m'inquiète pas. Et maintenant, admirez le résultat. Bien. Il serait peut-être temps de songer à translater votre enveloppe charnelle dans un autre espace dimensionnel. En langage profane, ça veut dire « sortez de chez moi ». Attendez, il reste encore un espoir. Parfois, c'est en soignant le maître qu'on guérit l'animal. Parlez-moi un peu de votre petite enfance. J'adorais les bonbons, surtout ceux enrobés de chocolat en forme de pompe à essence. Non, je voulais dire, parlez-moi de ce qui a pu vous traumatiser. Ah, tu te rends compte? Jean-Pierre, c'est lui qui a habillé Sarah de Manhattan, t'imagines? Trop fort! Tu m'étonnes. Je ne voulais pas rater cette occasion. Il fallait que je me surpasse. J'ai fait, je me suis surpassée. Le lendemain, je suis allée au rendez-vous et là, j'ai poireauté au moins une heure. Désolée, j'étais overbookée au showroom. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ben, c'est le nouveau modèle.
Mais non, 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 c'est pas possible. C'est vraiment trop la loose. Ces fleurs-là, c'est grotesque. Je suis désolée, mais cette faute de goût est impardonnable. Hein? En fait, cette Caroline-là, elle m'a carrément volé mon modèle de pantalon à fleurs. Voilà pourquoi il est en vente chez Frims. Écoute, faut voir le bon côté des choses. Maintenant, tu sais que tu peux créer des fringues à la mode et c'est ça le plus important. Ouais. Allez, déprime pas, quoi. Bon, faut que je te laisse. C'est l'heure de mon cours de guitare. Bye. Ben, ok. À plus. Je ne me souviens plus très bien. J'avais peut-être 3 ou 4 ans. C'était à Mortebouze, chez mes parents. J'avais un chat. Il s'appelait Nexus 6. Un jour, pendant un repas de famille, le chat a fait pipi dans la cuisine. Je n'avais pas vu la flaque et j'ai glissé dedans. J'en avais partout sur ma robe. Ma mère a cru que je m'étais fait dessus. Elle m'a prise par la main et... elle m'a grondée. Elle m'a humiliée devant toute la famille. Tiens, c'est bizarre. Je me sens beaucoup mieux tout à coup. Les bornes. Et encore merci pour tout. Ce n'est rien. Je n'ai fait que mon boulot. Au revoir. On dirait que ça s'est bien passé avec le comportementaliste. Impec. Et toi, ça va? Je viens d'acheter du tissu. J'ai plein de coutures à faire. Mais c'est quoi ce délire? Maurice fait toujours à côté? Je sais, mais là, tu vois, je m'en fiche complètement. Hé, t'as vu ça? Il est franche. Ouais, trop ringard. Complètement grotesque. Super, Lou. Désormais, la bave de ces deux crapauds ne t'atteindra plus. Exact, les amis. Parce qu'en fait, vous savez quoi? J'ai compris un truc. Je m'en fiche d'être à la mode. La mode se démode, le style, jamais. Waouh, c'est bien dit, ça. C'est de toi? Non, de Coco Chanel. Et je suis d'accord avec elle.